Bonjour, je suis Sylvain Gillier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du sommet en ligne Chevaux Médiateurs, Chevaux Guérisseurs. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que je suis super heureux. Je suis super heureux parce que je crois profondément que les chevaux appellent les humains. Et ça fait depuis plus de 15 000 ans, il y a cet appel des chevaux. Et je suis heureux aussi parce que vous l'avez entendu. Il y a plus de 1 millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du sommet en ligne. Une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama de la médiation avec les chevaux. Et donc 3 journées d'interview les 12, 13, 14 décembre et une ouverture le 11 décembre, clôture du sommet le 15 décembre en soirée. Mardi, mercredi, jeudi, vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants. Je suis heureux aussi parce que chaque moment que j'ai passé à rencontrer les intervenantes à ce sommet a été précieux. Chaque moment avec les chevaux, c'est un moment précieux. Et j'ai vraiment de la gratitude que nous puissions entendre, que nous puissions comprendre les enseignements des chevaux. Ce sommet, il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles. Il est diffusé entièrement gratuitement. Ça fait plusieurs centaines d'heures de travail. Alors si vous souhaitiez soutenir notre travail, les projets de Cheval en Conscience, les chevaux médiateurs, les chevaux guérisseurs, eh bien il y a une possibilité de donner à l'association Cheval Communication sur le lien HelloAsso qui se trouve en dessous de cette vidéo. Donc merci au fond du cœur, merci. Merci à toutes nos intervenantes, à nos intervenants. Merci pour vos témoignages et pour votre relation unique avec les chevaux. Et donc aujourd'hui, donc mardi 12 décembre, c'est une journée thématique. On voudrait répondre à la question avec le cheval, est-ce qu'il y a une liberté sans limite? Et donc pour répondre à cette question, nous avons plusieurs invités. Arlette Agassi, qui est équipédagogue. Blandine Valois de Six Pieds sur Terre, Alexandra Bilisco qui viendra nous parler de son lieu ressource, la légende de Tara, Sophie Peignet qui est coach médiatrice avec les chevaux et qui représente également le syndicat des professionnels de la médiation équine, et quelqu'un qu'on ne présente plus, Hélène Roche, donc qui est éthologue professionnelle avec les chevaux. Nous avons aussi une invitée surprise que j'ai rencontrée il y a à peu près 2 semaines, chez elle, aux États-Unis, en Arizona, qui viendra nous parler de son projet où il y a un troupeau de à peu près 300 chevaux qui sont gardés dans leur milieu naturel, en liberté. Donc Simone nous parlera de ce projet. Rejoignez-nous également à 19h ce soir, donc mardi 12 décembre, pour des questions-réponses en direct avec les intervenantes de cette journée. Donc il y a un lien Zoom si vous voulez participer à ces échanges questions-réponses en direct. Voilà, alors bonjour Alexandra, ça me fait super plaisir donc de t'inviter pour ce sommet en ligne Chevaux Médiateurs, Chevaux Guérisseurs. Donc qui est diffusé sur 3 jours en décembre, donc aujourd'hui première journée du sommet en ligne sur le thème de la liberté. Et donc tu me disais que tu aimerais donner comme thème pour ton intervention la liberté, une intervention autour de la liberté, et que la liberté d'être ça prend. Alors, je me réjouis d'explorer avec toi qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que être libre, et comment on peut apprendre cette liberté d'être. Alexandra, tu es formée à l'accompagnement social, à l'accompagnement artistique. Tu travailles comme accompagnante par la médiation avec le cheval.
Et tu habites dans un magnifique lieu, un lieu refuge, un lieu d'accueil. On en parlera un petit peu, qui s'appelle la Légende de Tara, où donc tu habites avec un petit troupeau de chevaux, un grand troupeau de chevaux en fait. Il y a pas mal de chevaux, et également des chiens, des canidés. Et donc tu me disais que ton travail, c'est d'offrir cet espace d'accueil, cet espace d'écoute aux humains qui souhaitent se rencontrer eux-mêmes, qui souhaitent trouver un équilibre dans leur vie. Et tu me disais aussi que les chevaux sont tes partenaires sur ce chemin de réconciliation avec notre humanitude. Alors, je reprends ce terme humanitude, c'est quoi? C'est quoi de devenir libre? C'est quoi de devenir vraiment humain? Et donc avec l'humanitude dont tu parles. Oui, merci. C'est une question un sujet qui me tient vraiment à cœur. Alors, ce terme d'humanitude, je l'emprunte à Serge Marquis, qui est psychiatre et conférencier que j'aime beaucoup et qui s'exprime beaucoup qui accompagne les gens en détresse au travail et notamment qui traversent des burn-out. En fait, l'humanitude, c'est notre capacité d'accueillir à la fois notre potentiel et notre limite, et nos limites en tant qu'être humain. Donc, c'est d'être pleinement acteur de sa vie, mais dans la conscience que nous sommes limités à beaucoup, beaucoup d'endroits. Et que la liberté ne consiste pas à dépasser les limites, à transgresser les espaces qui nous contiennent, mais plutôt à trouver dans ce contenant sécurisant un espace où je peux m'exprimer, me déployer et vraiment manifester tout mon potentiel intérieur. Et j'aime beaucoup, vraiment, voilà, je conseille cette personne à écouter, qui est en plus hyper légère en étant profonde. Mais Serge Marquis, notamment, aborde la question de la temporalité, on en parlera certainement, mais la relation au temps, qui pour moi me parle énormément. On vit dans une société où on a oublié l'importance d'être en lien avec le temps. Tous les temps se raccourcissent. Tu vas bientôt partir aux États-Unis, je pourrais t'envoyer un message sur WhatsApp, et en quelques secondes, tu vas pouvoir avoir mon message, alors que si je devais venir jusqu'à toi, il me faudrait, comme autrefois, il me faudrait des semaines ou simplement des heures, mais voilà. Et on a un rapport au temps qui est complètement perturbé, qui nous éloigne de nos limites Et à l'espace, certainement aussi. et à l'espace. Et du coup, dans la relation, c'est pas sans effet, y compris à soi. Et on passe notre temps à dire je n'ai pas le temps, Ça, j'aimerais c'est vrai. prendre le temps, voilà, on court après le temps, voilà. Et alors qu'en fait, il fait intégralement partie de nous, et c'est pas sans conséquence sur les endroits d'irrespect que nous avons avec nous-mêmes et évidemment avec les autres aussi. Et j'ai travaillé longtemps avec les enfants, et je continue aussi avec les enfants, et on a des tout petits maintenant qui disent je suis stressée. Ah oui, d'accord. Qui disent je suis stressée, ou ma fille un jour elle m'a dit je lui dis mais tu sais dormir c'est tellement important, et elle me dit mais maman je n'ai pas le temps de dormir, j'ai trop de choses à vivre. Elle a quel âge? Elle a quel âge Alors maintenant? là, maintenant elle a 9 ans, Elle a mais 9 ans, ouais. elle m'a dit ça, elle avait 7 ans quoi. Ah Et je oui. pense que nous avons une grande responsabilité dans la perte de ces repères, et notamment de toute notre vie qui n'est plus du tout ritualisée. Et voilà, bon, on pourra en reparler, mais donc cette Ouais. histoire d'humanitude, c'est vraiment de se réinscrire dans des espaces qui nous permettent de prendre conscience de à la fois le rapport entre potentialité et temporalité. Et ça nous amène à un endroit crucial qui est de faire des choix. Ouais. Et donc de travailler sur aussi, bien sûr, le leadership, le fait de pouvoir se sentir, se centrer, qu'est-ce qui résonne en moi en termes de besoins, etc. Donc, tout ça est intimement lié. Donc, ça, c'est par rapport à l'humanitude. Et par Ouais. rapport à la liberté, pour moi, c'est vraiment. Les chevaux sont une image extraordinaire de la liberté, parce que on voit souvent le cheval comme un être libre. Et en même temps, nous parlons parfois ensemble des troupeaux sauvages. Les chevaux que nous avons autour de nous, moi, mon troupeau, il est dans un parc. Je m'engage à prendre soin
de ces poneys, de ces chevaux que j'accueille. J'essaye de leur donner une vie la plus proche de leurs besoins. Mais malgré tout, si je regarde, si la liberté pour moi, c'est de ne pas avoir de barrières, c'est d'avoir un troupeau qui déambule librement, mes chevaux ne sont pas du tout libres, en fait. Donc, en fait, on se rend compte que la liberté est quelque chose d'extrêmement relatif selon les cultures, selon où est-ce qu'on habite. Ouais. Et pour moi, la liberté, c'est avant tout de trouver une adéquation entre qui je suis, là où je suis, d'où je viens et là où je vais. Et c'est vraiment cet alignement comme ça entre ma personne, cet axe en fait, qui m'amène cet alignement, qui je suis, là où je suis, donc cet axe horizontal, la verticalité de qui je suis, là d'où je viens, parce qu'il fait que je suis constituée de toutes ces parts à l'intérieur de moi, et là où je vais, ce Ouais. qui fait naître mes aspirations et mes élans. Et ça, pour moi, c'est vraiment, les chevaux sont vraiment des guides extraordinaires pour aller expérimenter cet alignement qui n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du déclic. Ça y est, je l'ai, c'est bon, j'espère que toi aussi tu vas l'avoir, voilà, qui s'acquiert ou qui s'achète, en fait. C'est vraiment de la pratique. Et justement, puisqu'on parle de chemin de vie, donc Alex, tu as été formé à l'accompagnement au niveau social, au niveau artistique aussi, donc la théâtralité, le clown, les chants, les contes. Tu es devenu interprète en langue des signes française, donc c'est la langue des signes française, c'est la langue des personnes qui sont malentendantes, qui sont sourdes. Ouais. Tu as eu une carrière de chanteuse, d'interprète de conférences. Et comment est-ce qu'on passe de cette vie donc d'artiste et d'interprète à la médiation avec les chevaux et un lieu ressource? Comment ça s'est passé pour toi? Je crois que ce qui fait sens là pour moi, tout de suite là quand tu me poses cette question, c'est que pendant toute une part de ma vie, je crois que je m'effaçais énormément dans ma personnalité. Et paradoxalement, j'avais des métiers qui étaient très exposés, en fait. J'étais dans une forme de représentation. Puisque d'un côté, j'étais artiste, donc j'étais sur scène, j'interprétais des rôles, je mettais en scène, etc. Et de l'autre côté, j'étais interprète en langue des signes française. Donc interprète, ça, tout le monde connaît à peu près. Hein. On pense à des langues orales, etc. Oui, on Mais traduit souvent, quoi, on traduit. voilà, traduit. Mais souvent, les interprètes sont dans une cabine. On ne les voit pas, on les entend, d'accord? Alors que lorsqu'on est interprète en langue des signes française, il y a tout le corps qui est engagé, et notamment j'ai travaillé beaucoup en conférence, tu le disais, ou à la télévision, et du coup, on est à vue tout le temps, on est à vue parce qu'il y a besoin que la langue soit vue. Et à côté de ça, j'étais vraiment dans une personnalité qui semblait à la fois très extravertie, mais moi, à l'intérieur de moi, j'étais complètement déconnectée. Ah oui. Et le jour où je pouvais dire que j'étais extrêmement épanouie, j'avais une vie qui allait à 100 à l'heure, tout m'allait très bien, j'avais qu'une envie, c'est de vivre 100 vies en même temps. Et un jour, un matin, je n'ai pas pu me lever. Et en fait, j'ai traversé une période de burn-out où mon corps a dit, mais j'ai tellement de choses à dire que maintenant, je vais t'obliger à être à l'horizontale pour que Ah tu oui. puisses écouter. Et moi, j'ai passé 3 mois à l'horizontale. Il y aurait beaucoup à dire sur ça, mais juste dire que c'est vraiment les chevaux dans leur capacité à se mettre en mouvement, mais aussi à être dans l'immobilité. En fait, moi, je me suis remise vraiment littéralement debout grâce aux chevaux qui ont cette capacité d'être en mouvement intérieur tout en étant complètement immobiles. Cette capacité à être pleinement dans la vie, pleinement dans l'instant, en capacité de partir comme ça au galop d'un coup, etc. Ce qui fait que souvent, ils font peur, hein, aux êtres humains. Mais en même temps, dans cette immobilité, cette présence immobile et en mouvement. Et ça, au départ, j'allais juste me mettre avec les chevaux. J'étais incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Et là, j'ai un bol. Je ne pouvais même pas porter un verre ou un bol, tellement j'étais dans cet état. Du jour au lendemain, ça m'est arrivé. On a même cru que j'avais une sclérose en plaques foudroyante. Et voilà. Et donc ça a été un cadeau extraordinaire pour moi, à la fois bah, pour me connecter à cette humanité dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il a quand même fallu que j'aille me cogner très très fort à mes limites, et en même temps d'apprendre ça des chevaux, cette capacité d'avoir une part de moi qui est à l'arrêt et d'avoir une part de moi qui accueille le mouvement. Et avec les chevaux dans ma pratique, on fait énormément ça. Comment est-ce qu'il faut qu'il y ait une part de moi qui s'arrête
pour que je puisse accueillir tout le mouvement intérieur qui est là et qui se présente. Ouais, c'est intéressant en même temps parce que dans l'imagination, disons, le cheval, c'est un être qui galope à pleine vitesse avec des grands troupeaux au coucher du soleil dans les grandes plaines des États-Unis. On se souvient des pubs pour les cigarettes Marlboro avec les cowboys et les troupeaux de chevaux. Et alors que bah, moi, j'ai eu l'occasion d'observer des chevaux sauvages. Aux États-Unis, en liberté, dans les montagnes rocheuses et à d'autres endroits, et en Arizona. Et justement, il y a cette forme d'immobilité. Et la relation entre le mouvement extérieur et une espèce d'immobilité intérieure, justement. Et comment est-ce que tu mets ça en œuvre aujourd'hui? Comment ça se passe concrètement aujourd'hui? Par rapport et quel est ce rapport entre le mouvement et l'immobilité? Et est-ce qu'il n'y a pas trop d'immobilité pour certaines personnes qui voudraient plutôt que ça bouge? Ouais, je te remercie. Je t'écoute là et je prends conscience que avec les chevaux, finalement, on a créé l'expression faire du cheval. Et quand on va dans un centre équestre, en fait, on est tout de suite dans l'idée qu'on va monter dessus et puis se mettre en mouvement et faire et faire avec, etc. Et en tant qu'accompagnant avec les chevaux, quand on présente aux gens en disant, ben, voilà, on va aller dans le troupeau, il y a toute une mise en condition de commencer à s'écouter. Les personnes, souvent, comme tu dis, les personnes me disent, mais qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ce pourquoi j'ai eu envie de créer cet espace, ce lieu ressource, que l'on appelle le refuge. Hein, donc, c'est une association entre la légende de Tavares qui travaille avec les chevaux et le refuge. C'est parce que, en fait, s'arrêter, s'exercer à l'immobilité, du mouvement qui n'a pas l'intention de faire, c'est tout un cheminement et c'est tout un processus. Et qu'en fait, nous, les êtres humains, on ne sait plus faire ça. Ou on ne sait pas faire. Je dis plus parce que j'espère qu'un jour, on a su. Mais en tout cas, on ne sait pas bien faire. Et aller vers cette compréhension du mouvement intérieur, pour moi, ça passe par plein de biais selon la personne. J'aime beaucoup accueillir, pas plus tard qu'hier, j'avais une personne qui venait pour la première fois. J'aime beaucoup accueillir une personne et puis avoir à côté de moi ma boîte à outils et puis de me dire, bon alors, qu'est-ce qu'elle me dit d'elle, qu'est-ce que je perçois d'elle et par quel angle on va aller. Mais on passe toujours par une phase qui va être une première phase, on va dire, juste de parole qui va permettre à la personne de... Serge Marquis parle beaucoup du hamster qui tourne, qui va permettre à la personne de libérer les endroits de mais qu'est-ce que je dois faire, mais moi je sais pas, mais moi je suis dans l'action, machin, machin. Et ça, dès qu'on va être en présence des chevaux, ça va s'arrêter, parce que les chevaux, ils vont venir, ils vont arriver avec leur présence, ils vont poser déjà une situation. Et là, on va commencer à travailler sur le corps, on va commencer à travailler sur la respiration, on va commencer à être à l'écoute, et on va alterner entre des moments où on s'écoute soi et on écoute ce qu'il y a à l'extérieur de nous. On regarde les chevaux, on voit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'observe. On active les sens. Donc, il y a tout un travail d'activation des sens qui me paraît essentiel parce qu'on a l'impression que les informations, elles nous parviennent comme ça, comme si on était juste des récepteurs. Mais ça aussi, ça s'apprend. Et l'activation des sens nous permet petit à petit de faire la différence entre ce qui m'appartient et ce que je perçois de l'extérieur, mais aussi ce que je projette. Qu'est-ce que de l'ordre de l'interprétation et de la réception? C'est pas du tout pareil. Et puis, on va faire la différence entre être avec soi et être avec l'autre. Et le cheval, quand il est là, il nous amène à sentir à quel moment je suis dans la relation avec l'autre, à quel moment je suis dans la relation avec moi. Et petit à petit, comme ça, rentrer dans un espace d'écoute. Et dans les premières séances, avant, parce que bien sûr qu'il y a des étapes d'action, je travaille aussi beaucoup avec la communication non violente et la CNV. C'est très en lien aussi avec la liberté d'être, d'ailleurs. Et en fait... Avant de passer à l'action, avant de dire à l'autre, de dire ses besoins, de faire ou de faire moi-même, il y a besoin d'avoir de la clarté sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et ça demande un temps d'apprentissage de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je m'arrête? Qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je suis juste là? Est-ce que je sens du danger? Il y a une part de nous qui a appris que c'était dangereux de s'arrêter. Que c'était dangereux de juste ne rien faire, que c'était dangereux d'observer, comme s'il y avait une espèce de bête qui allait nous sauter dessus ou qu'on allait perdre en potentialité ou alors en performance plutôt qu'en potentialité.
parce que ça aussi, c'est lié à la saisonnalité. On travaille dans le milieu professionnel et en fait, on ne nous dit pas qu'il y a des moments dans l'année où ce n'est pas possible d'être aussi performant que les autres moments. Ça n'existe pas quelqu'un qui est performant de la même façon toute l'année. La vie à l'extérieur, là, on rentre dans l'automne, on va être à l'hiver. Je veux dire, toute la nature nous dit que le cycle a besoin de décroître, qu'il y a besoin de limiter l'énergie. Elle n'est plus tournée vers l'extérieur, elle va se recentrer vers l'intérieur. La sève des arbres, elle descend, les feuilles, elles tombent. Il y a des endroits de l'arbre qui arrêtent d'être nourris complètement. Et à l'intérieur de nous, c'est la même chose, c'est le même processus. C'est une période de deuil, c'est une période où on prend conscience que les choses s'arrêtent, qu'on ne peut pas tout faire. Et que la vie est limitée et qu'on ne va pas pouvoir tout vivre, etc., etc. Et l'hiver, on va rentrer dans l'hiver, c'est vraiment une période de recentrage. Donc, on ne peut pas être dans la performance tout le temps, ça n'existe pas. Donc, l'immobilité des chevaux, pour venir à ça, c'est à la fois, l'arbre, il n'est jamais à l'arrêt, d'une certaine façon, l'hiver. Il n'est pas mort. Il se passe énormément de choses. Tout ce qu'il est en train de faire et de ne pas faire va lui permettre de se déployer au printemps. Mais ce qu'il fait est au service de son énergie de vie. Et c'est ce que nous apprennent les chevaux, en fait, dans les choix qu'ils font. Et donc, moi, j'aime beaucoup accompagner les gens dans l'observation. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je perçois? Et au début, les gens disent, moi, je ressens rien, je perçois rien. Et puis, petit à petit, on se rend compte. Et les chevaux, ils viennent, tu le sais bien, ils viennent nous amener à ça. Ils viennent par leur attitude nous bousculer un peu dans ce qu'on croit savoir et en fait qu'on ignore de nous-mêmes. C'est un cadeau. Et une fois qu'on a passé cette phase-là, de connexion à soi, de connexion à l'autre, de faire la différence entre mes besoins, les besoins de l'autre, souvent dans les premières séances, j'invite la personne à parler d'elle-même et en fait, elle me parle des chevaux. Ah oui. J'invite à lui, à lui, à elle puisse s'exprimer sur son besoin du moment et en fait, elle me parle des besoins des chevaux. Et ces mêmes personnes vont me dire, j'ai l'impression que je ne reçois pas et que je donne beaucoup. Il y a tout un canal, en fait, qui fait plus son travail. Et le lieu refuge ici, c'est aussi un endroit où on peut s'autoriser à se poser. Oui, Je travaille ça, avec. c'est important. Je voulais vraiment qu'on parle des lieux ressources, des lieux refuges. Et je connais Ouais. bien ton lieu, donc la légende Et de puis, on a Tara. l'occasion de travailler ensemble. C'est Voilà. vraiment un endroit qui, pour moi, alors c'est toujours un but, hein, je vais vers, en fait, je me considère comme jamais arrivée, mais le but, c'est vraiment d'offrir un espace, et c'est pour ça que je travaille avec toute une équipe, où la personne, elle arrive d'abord, s'arrêter, ça demande de se sentir en sécurité, et quand on s'arrête, on se rend compte que le corps, il a, tout à l'heure, je parlais mon expérience de burn-out, le corps, il a beaucoup à dire, en fait. Dès qu'on arrête de s'agiter, les gens se sentent extrêmement fatigués, ils ressentent des douleurs, ils sentent des émotions qui montent. Voilà. Et parfois, on peut avoir des personnes qui sont même submergées. Et pour ça, il faut un espace sécurisé. Donc, on a un espace d'accueil dans un petit gîte. Une équipe pluridisciplinaire, ça veut dire que quand je travaille lors de stage, je travaille avec en général d'autres partenaires. Moi, j'amène la question des chevaux, mais je travaille aussi avec une danseuse, Tiffaine Babin, qui est spécialiste aussi du mouvement, qui s'est formée en anatomie, en fluidité du mouvement, et qui permet aussi d'avoir une approche du corps qui soit déjà plus éclairée. On ne connaît pas bien notre corps. J'ai découvert vraiment mes sensations de colonne vertébrale avec Tiffaine, en fait, dans son cheminement, et ça a changé ma vie, y compris à cheval. Et je travaille avec aussi Vincent Marc, qui lui est spécialiste de la forêt, qui vit dans les bois et qui nous accompagne sur des expériences de rituels, d'expériences initiatiques, etc. Et sur la partie refuge, je travaille avec toute une équipe aussi qui propose des soins énergétiques, des soins du corps, des soins Reiki, de la réflexologie, des soins de la peau, des soins des cheveux, etc. Et l'idée, c'est vraiment, avec une équipe aussi qui propose des repas qui sont faits en conscience, énergétiquement équilibrés, avec des produits sains. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche holistique de la personne. La personne, elle vient, elle se pose en séjour de ressourcement, elle prend soin d'elle. Moi, j'accompagne ces personnes dans un travail avec les chevaux et on fait le programme sur mesure. Et donc ça, c'est pour la partie individuelle. Et puis pour la partie stage, ben voilà, j'ai aussi l'occasion de travailler avec toi, Sylvain. On propose des stages, on les ouvre aux personnes qui sont sourdes, signantes et aux personnes qui ne le sont pas. Ça fait une magnifique rencontre, une magnifique mixité.
Et c'est aussi l'occasion d'explorer cette liberté de qui je suis quand je vois l'altérité chez l'autre. Elle résonne aussi en moi. Et on a expérimenté encore très dernièrement, au printemps l'année dernière, Sylvain, la richesse des regards croisés entre la communauté sourde, la communauté entendante, à quel point ça pouvait aussi apporter des choses en plus au-delà de ce qu'on peut proposer lors de stage. Absolument, oui, absolument. Et les lieux ressources, je crois que c'est aussi un thème qui est important. Moi, je le mets un peu en relation avec l'apprentissage de notre liberté, en tout cas, parce que on voit bien qu'il y a ce besoin de lieu où on puisse se poser au-delà des limites. De la productivité, de l'efficacité ou de l'agenda quotidien que nous avons tous, et peut-être effectivement pour mieux respecter les cycles, la saisonnalité et puis les cycles naturels de voilà et, mais puisqu'on parle de ce lieu ressource et je pense que c'est très important dans ce thème de la liberté. Comment ça a été pour toi de construire ce lieu de ressources? Et je dis ça aussi parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette interview, qui auraient l'idée de plus ou moins abouti de créer un lieu de ressources ou de participer à un lieu de ressources comme ça. Et voilà, donc pour toi, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé d'arriver à donner vie et forme à cette idée de lieu refuge, de lieu ressource. Alors déjà, c'est l'histoire d'une rencontre. Alors c'est marrant parce que ça, c'était le titre de mon premier spectacle de chansons. J'ai l'impression que toute ma vie est faite d'histoires de rencontres et c'est une nouvelle rencontre qui m'a vraiment accompagnée ici. Je suis arrivée dans cette région, donc je suis dans le Poitou, un petit peu au-dessus de Poitiers, et je suis arrivée dans cette région, je connaissais pas du tout l'endroit et c'est ma fille de 3 ans qui m'a accompagnée jusqu'ici pour être dans une école alternative. Et j'ai rencontré un monsieur qui est aux antipodes de moi. Un monsieur qui est un grand chasseur, qui chassait dans le monde entier, un vieux monsieur, Gilbert Fauché. Et ça a été une rencontre avec nos altérités, avec nos étrangetés. Mais en tout cas, cet homme a été touché par mon projet. Et quand je suis arrivée dans ce lieu, il a décidé de soutenir la création de cette structure en faisant des travaux, en créant une salle. En faisant des travaux pour vraiment assainir les dépendances. Alors que c'était pas forcément son projet de Pas du vie tout, pas du à tout. lui. Ah non, pas du tout. Et puis en plus, comment dirais-je, aucun bénéfice lucratif, enfin financier de ça, puisque moi je loue hein, ici, hein, je suis la gardienne du lieu, mais je n'en suis pas la propriétaire, si on peut dire, parce que j'ai un peu du mal avec ces notions-là. Mais en tout cas, je me sens la gardienne de cet espace. Et oui, bien sûr, il l'a fait vraiment parce que j'avoue que ça reste mystérieux pour moi. Mais en tout cas, il s'est créé une relation entre nous et il a fait en sorte que nous puissions aussi avoir accès à la petite maison à côté qui nous permet d'avoir cet espace refuge et de pouvoir permettre aux gens de dormir sur place, y compris pendant les stages, ce qui est un énorme luxe parce que faire des stages sans avoir à se préoccuper de où on va dormir, de à quelle heure on va finir, enfin, d'avoir juste à venir avec son sac à dos et de ne pas avoir de besoin de voiture, enfin, c'est vraiment énorme. C'est pas sans effort et énergie pour nous de maintenir vraiment à flot cet espace-là toute l'année, mais c'est vraiment à l'heure actuelle un choix de vie. Et pour répondre pleinement à ta question, je dirais aussi que construire ce lieu refuge, ça se fait au fur et à mesure de ma prise de conscience de comment je veux travailler. En tant que quelqu'un qui veut construire un lieu refuge, je lui juste suggérerais de se dire comment je veux travailler. Et moi, je voulais travailler en ayant du temps, en n'ayant pas la pression des horaires. Dans un espace où moi je peux m'assurer de l'équilibre énergétique du lieu, du soin du lieu, du soin de l'espace, de pouvoir avoir accès au lieu quand je veux, de pas être assujetti à des horaires, à des voilà.
Donc, il fallait que ce soit l'espace. Je voulais que mes chevaux puissent faire partie de ce lieu pleinement, qu'ils puissent équilibrer énergétiquement l'espace, qu'ils puissent être en liberté autour des humains ici. Donc, en Ça. fait, vraiment partie de mes aspirations et de mes besoins. Et en fait, ça se crée. Tu vois, ça se Il y crée. a quelque chose d'intéressant dans ce lieu que je connais un peu, hein, pour y avoir animé des stages, avec toi d'ailleurs également. Et c'est qu'au départ, ce n'est pas un lieu équestre. Pas du tout. Oui, c'est ça. Et derrière, pour tout vous dire, on a une réserve de chasse. Ah oui. Et ça, c'est pas rien, parce que 6 mois par an, c'est un lieu qui est destiné au plaisir d'êtres humains de chasser du gibier, qui est là en liberté, semi-liberté, sur 90 hectares. Et honnêtement, si on m'avait dit un jour que tu habiteras devant un lieu de chasse, j'aurais dit, mais non, c'est pas possible. Et en fait, j'apprends dans cette polarité. Pour moi, c'est devenu une forme de polarité. Ah oui, une polarité. Au sens où je crois vraiment que nous sommes là, que ça a du sens ce que nous sommes en train de faire ici, avec aussi bien les chevaux, les chiens, les arbres. On a des arbres extraordinaires qui soutiennent comme des espèces de gardiens l'espace. En fait, à toutes les directions, on a des arbres qui sont là comme vraiment des fondateurs, quoi, qui soutiennent vraiment. Et moi, régulièrement, je fais des rituels. Quand on fait des stages, pour moi, c'est une façon aussi d'entretenir toute cette énergie de vie qui se déploie à côté de cet espace-là. Ça a pris son sens au fil du temps. Oui, c'est important. On parlait, il y a une interview que j'ai enregistrée avec Sophie Peignet, donc qui est une qui représentait entre autres le syndicat des professionnels de la médiation équine. Alors c'est vrai qu'il y a tout un développement qui se passe dans les centres équestres. Avec en même temps cette grande question du bien-être animal, hein, qui devient une véritable question aujourd'hui. Bon, les animalistes ou les spécistes peut-être aussi, mais aussi l'éthique, hein, de la relation que nous avons avec les animaux. Voilà, et c'est peut-être que ce n'est pas forcément dans un centre équestre que les chevaux sont le plus, disons, dans un état de bien-être. Enfin, je ne veux pas généraliser non plus, mais c'est vrai que dans un lieu refuge, il y a cette possibilité de laisser aux chevaux, bah, voilà, déjà le temps de ne rien faire, entre guillemets. De ne rien faire. Et aussi, merci, parce que avec ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose, c'est que dans notre troupeau, on accueille aussi des chevaux qui sont retraités de centres équestres. C'est ça, oui. Et on en a à l'heure actuelle, on en a accueilli quatre et on en a à l'heure actuelle trois, puisqu'il y en a une qui est décédée assez rapidement après notre accueil. Mais il y a aussi cette idée-là, c'est que dans ce troupeau, alors c'est aussi quelque chose qui me tient très à cœur, on travaille aussi sur le deuil et sur le début et la fin qui est intimement lié à la notion des cycles et de saisonnalité. Et on a des naissances et on a des départs et on accueille des très vieux chevaux qui viennent pour mourir ici en fait. Et en effet, un lieu refuge, c'est aussi dans cette idée que j'ai en fait un grand troupeau avec des petits troupeaux à l'intérieur. Et notamment, j'ai un troupeau de poneys âgés qui sont arrivés ici dans un état presque éteint, en fait. On a même accueilli un membre de ce petit troupeau qui était extrêmement dangereux, Un poney qui venait d'un centre équestre, donc. équestre, ouais, et qui avait peur des enfants, en fait. Mais vraiment, hein, je vous assure que il a mordu ma fille. On ne nous avait pas prévenus. Et il a, je l'ai, moi, je, c'est la première fois que j'ai pu avoir peur, en fait, d'un poney, d'un cheval qui me fonçait dessus, littéralement, tellement il avait peur, en fait, des humains, et particulièrement des enfants. Et voyez, avant de venir ce matin, je suis passée auprès. En ce moment-là, le troupeau, il est un peu entre lui-même, avec ses plus âgés, et il y a eu une naissance. Et donc, de temps en temps, ils sont souvent avec le troupeau entier, puis de temps en temps, ils demandent comme ça, être un petit peu extraits. Donc là, ils sont à l'herbe, dans un pré de 2 hectares, et je vais les voir tous les jours. Et j'ai passé un temps magnifique avec lui, il s'appelle Nisquik, où on était collés comme ça. Et aujourd'hui, il vient et les enfants vivent des moments de médiation extraordinaires avec lui. Quand j'arrive, il vient, il se colle. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Et ça fait 2 ans et demi qu'il est là. Et ça date de 6 mois, en fait. Et c'est un poney qui a été extrêmement malade. On a cru qu'on allait perdre.
Et en fait, c'est ça aussi, la liberté d'être, c'est aussi de laisser exprimer le corps tout ce qui a besoin de sortir, tout ce qui a besoin d'être évacué. Et lui, il avait peur. Et donc, il était devenu dangereux. Il préférait attaquer que subir. Ouais. Et c'est extraordinaire enfin, je m'estime tellement chanceuse d'être dans ce troupeau où on a à la fois des jeunes qui nous apprennent en apprenant, en étant tellement adaptés à leur milieu, alors qu'ils sont nés. On a eu des naissances l'année dernière. On a pu, en plein stage, assister à une naissance. C'était extraordinaire. Il y avait un stage, ça s'appelait La peur n'est pas un danger. Et on a eu, bim, une naissance en plein milieu. C'était incroyable, quoi, de voir ça. Et en même temps, on a nos vieux qui sont là et qui apportent énormément dans cette lenteur, dans cette énergie descendante, etc. Et c'est ça aussi, merci Sylvain, mais c'est ça aussi le lieu refuge. Tu vois, cette année, je ne sais pas comment je ferai les autres années, mais cette année, j'ai décidé que l'automne et l'hiver ici allaient être dans un rythme extrêmement ralenti et que les stages de la saison 2023-2024 seraient printemps-été uniquement. Et en fait, ça apporte énormément de choses. Le troupeau, il peut aussi se retrouver entre soi. Je continue à accueillir des individuels, des personnes en individuel, mais ça fait pas du tout la même stimulation. En fait, quand on accueille des stages ici, on en accueille beaucoup. Et j'ai ressenti ce besoin à l'intérieur de moi, mais je vois aussi que le troupeau, cette année, ça lui fait du bien. Et ça, c'est un cadeau que je m'offre, que nous offrons dans ce lieu refuge, qui est pas sans conséquences économiques. Il faut être lucide, attention, hein. C'est pas simple de faire vivre ça quand vous diminuez de 80% votre chiffre d'affaires parce que vous rendez compte qu'en fait, il y a besoin de prendre du temps, quoi, pour rester aligné. Mais on le fait. On le fait parce que c'est. Je crois que si je ne le fais pas, je ne suis plus à l'endroit où qui est juste pour accompagner. Et les chevaux, c'est extraordinaire de voir le mental qu'ils ont, en fait. Enfin, tu les connais, Sylvain, mais tu vois, hein, il y a une appétence à être avec les humains qui est aussi le fruit de cet endroit qui est très préservé pour eux. Parce que c'est la saisonnalité, c'est les cycles naturels. Et peut-être qu'on peut respecter ces cycles, en tout cas, dans un lieu ressource, un lieu refuge, alors que dans un centre équestre, ça va quand même être difficile parce qu'il y a, voilà, il y a les vacances de la Toussaint, il y a les vacances de la Noël. Les enfants veulent faire du chemin, faire du cheval, et je mets des très gros guillemets autour de ça, mais c'est aussi une réalité, hein, pour les centres équestres. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce lieu, j'aime animer des activités dans ce lieu, parce qu'il y a, voilà, il y a pas exactement la même orientation, et puis il y a ce respect de la saisonnalité, des cycles naturels, et moi aussi ça me semble important. Et je voulais parler d'autre chose par rapport à respecter les cycles naturels. Qui est le sujet de qui est l'hypersensibilité. Et voilà, et donc les personnes hypersensibles, les chevaux hypersensibles, peut-être, je ne sais pas, l'hypersensibilité en général. Moi, j'avais la notion que quand on a une carrière artistique, a priori, c'est qu'on est plutôt dans le domaine de l'hypersensibilité. Je ne sais pas, à vrai dire. Beaucoup. Je ne sais pas comment. Comment est-ce que tu Ouais. as vécu, comment est-ce que tu vis ça, Mais oui. comment ça se passe avec l'hypersensibilité? Est-ce que tu as des personnes hypersensibles qui viennent te voir? Bien sûr, ouais, merci. C'est dans ce titre, la liberté d'être, ça s'apprend, c'est aussi Oui. comprendre qui je suis. Et quand on est, on a un référentiel interne qui est extrêmement activé, en fait. Le bébé, il naît, il pleure énormément parce qu'il exprime beaucoup de choses par les pleurs, etc. En fait, nos référentiels, il est complètement aligné. Je ressens, j'exprime, etc. Et en grandissant, on vit dans une société où on va nous dire mais non, n'aie pas peur, mais il n'y a rien qui fait peur, mais mets ton manteau, tu vas avoir froid, alors qu'en fait, l'enfant, il n'a pas froid. Mais pourquoi tu te mets en colère? C'est rien du tout, etc. Et en fait, très rapidement, le petit enfant, on va passer son temps à lui dire que ce qu'il ressent n'est pas juste, n'est pas ça, est inadapté, etc., etc. Et en tant qu'hypersensible, je pense que, alors ça, c'est aussi un apprentissage CNV, hein, c'est que la communication non violente nous apprend, une fois adulte, à prendre conscience de qu'est-ce qui est de l'ordre du référentiel interne et du référentiel externe. Et quand on passe toute une période de notre vie à être uniquement centré sur le référentiel externe, on ne sait plus ce que l'on veut. Et on dit, je ne trouve pas ma place, je ne sais pas où je vais,
Je n'arrive pas à faire mes choix. Il m'arrive toujours cette chose-là. C'est toujours la même chose. Je reproduis sans cesse un schéma parce qu'en fait, on n'est plus dans le référentiel interne. Et du coup, par rapport à ça, ça me semble être indispensable. En tant qu'hypersensible, je suis dans une appréhension du monde qui est de l'ordre de l'hypersensitivité. C'est-à-dire que le cerveau des hypersensibles, maintenant, c'est vraiment prouvé, hein, on n'est pas en train d'inventer une chose. Les capteurs, on va dire, des informations qu'on reçoit sont extrêmement fines, mais du coup, on reçoit les informations avec beaucoup d'intensité. Une personne hypersensible va être très, très, très sujet au bruit lorsqu'elle est fatiguée, très sujet visuellement à tout ce qu'elle reçoit d'informations visuelles. Il y a des personnes hypersensibles, à des moments, elles ne vont pas accepter d'être touchées, pas du tout. Elles ne vont pas aimer, elles vont avoir du mal à ce qu'on les touche. D'être touché physiquement, donc. Physiquement, elles vont avoir du mal à être dans un lieu où il y a beaucoup de gens. Parfois, elles vont se sentir envahies par les émotions des autres parce que l'émotion est un stimulus et donc passe par des capteurs physiques. Les odeurs vont parfois devenir hyper envahissantes. Moi, je me souviens, quand j'étais petite fille, j'avais honte parce qu'en fait, je sentais des odeurs et ça me mettait en difficulté, notamment dans la relation avec ma maman, qui n'était pas une personne qui se lavait pas, hein. Elle avait une hygiène irréprochable. Mais je sentais ses odeurs de corps, je sentais les odeurs de sa bouche, de ses cheveux, de son. Et en fait, moi, c'était très terrible, parce qu'il y a des moments, je ne le supportais pas. Et donc, quand elle me faisait un câlin, j'étais là, là, là. Voilà, je n'ai pas pu mettre des mots sur ça. Et ma fille, qui est aussi hypersensible, aujourd'hui, elle le nomme. Elle le nomme. Elle dit, là, c'est trop pour moi. Elle a besoin des fois de se mettre dans le noir. Moi, je sais que me mettre dans le noir, même 15 minutes, c'est des espaces de ressourcement extraordinaires. Et le langage des chevaux qui est très émotionnel permet aux personnes hypersensibles que j'accompagne, j'anime un stage avec Anaïs Dubois qui est psychologue et qui travaille beaucoup sur la notion de genre aussi, et qui est aussi hypersensible et on accompagne comme ça, moi j'apporte aussi l'aspect artistique là-dessus, mais des personnes hypersensibles ou qui sont intéressées par le sujet et on se rend compte que de voir comment les chevaux en fait utilisent cette sensibilité très accrue qu'ils ont, cette grande sensitivité, ça permet aussi de dédramatiser tous ces jugements induits que nous avons sur nous-mêmes de moi je suis trop ceci, je suis trop impactée, je suis pas adaptée. Et dans l'hypersensibilité, on a des personnes qui sont carrément en marginalité en fait, des gens qui Ah oui. s'excluent complètement parce qu'en fait elles n'arrivent pas à faire avec la somme d'informations qu'elle reçoit. Elle n'y arrive pas. Donc, elle considère que soit c'est elle qui ont un problème, soit c'est des personnes qui se construisent avec un modèle en disant c'est les autres qui sont dangereux, c'est Ouais. les autres qui ont un problème. Et c'est tragique parfois, parce que, y a des gens qui, au fond, aimeraient, en fait, c'est une forme de renoncement. Alors, il y a des gens qui se retrouvent très bien dans cette vie-là. Moi, j'habite dans un lieu ressource qui est un peu paumé. J'ai quand même quitté complètement la ville alors que j'ai travaillé sur Paris pendant des années. Donc, il n'y a pas de hasard aussi d'avoir besoin d'être en contact avec la nature et de m'extraire un peu de la foule, c'est sûr. Mais le plus important quand on accueille des personnes hypersensibles, c'est d'expérimenter ensemble, et il ne s'agit pas de convaincre les gens, qu'elles ont un super pouvoir. Et qu'en fait, cette grande sensibilité au monde permet aussi d'avoir une très grande intuition, une capacité à sentir. Apercevoir ce qui est juste pour moi, parfois apercevoir ce qui est juste pour les autres et comment je fais avec ça. Il y a même des gens qui en développent des compétences très 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 fortes, hein, notamment dans la communication animale, dans le soin à l'autre, dans le travail avec les chevaux notamment, voilà. Donc c'est à la fois un élan de réconciliation, de compréhension et aussi de mise en action parce qu'une fois que j'ai eu cette compréhension, dans ma vie quotidienne, il y a besoin d'avoir des espaces pour que tout ça s'équilibre. Si je n'ai pas du tout d'espace de ressourcement dans ma journée, je ne dis pas dans ma semaine, si je n'ai pas. En fait, ça n'est pas possible. Un hypersensible, mais une personne humaine, hein, mais je veux dire, un hypersensible ne peut pas fonctionner avec des endroits qui ne sont pas équilibrés et des espaces juste pour soi, en essayant de faire de se mettre dans sa bulle, en fait. Ça ne peut pas marcher. Entre les chevaux, par rapport à l'expression artistique, la théâtralité, l'expression de la voix, comment Ouais, ça. ben ça s'articule par des pratiques. Ouais. On a des pratiques théâtrales. Au lieu de jouer avec un être humain,
On joue avec le cheval et c'est hyper intéressant de voir. On peut identifier toutes les projections qu'on peut avoir de l'ordre du jugement, en fait, parce que on va analyser le comportement du cheval en le ramenant toujours à soi. Donc, c'est intéressant de déconstruire ça et puis aussi d'aller toucher son authenticité du jeu. Le jeu, j'adore ce mot parce que c'est à la fois J-E, moi, et J-E-U, le jeu. Oui. Et donc, j'adore le clown. Je me suis formée au samovar il y a quelques années quand j'étais un peu plus jeune. C'est Là, quoi le samovar? le samovar, en fait, c'est un centre de formation à Paris Ouais. qui forme des élèves au clown. OK. Clown théâtre, hein, on a souvent l'image du clown cirque qui est censé faire rire, voilà, et être un peu cette espèce de fou du roi qui a aussi sa fonction hein, qu'on avait à la cour. Le clown théâtre, c'est plutôt, en tout cas dans cette formation que moi je suis maintenant au Bataclown, qui est plutôt une structure qui va être plus axée sur le rôle social du clown. Le clown, lui, il est là pour parler de choses graves, mais avec une grande légèreté. Qui n'est pas une légèreté du genre je me moque ou ce n'est pas important, mais une espèce de curiosité naïve sur le monde. Et le clown théâtre travaille énormément avec pour base ses émotions. Et donc, on n'a plus de jugement sur les émotions. Il n'y a plus d'émotions négatives, positives. Tout est matière pour créer grande écoute, grande présence. Et quand on est en clown théâtre, eh ben, la première consigne, c'est tu ne sais pas ce qui va arriver, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Pas d'anticipation, pas d'intention, laisse venir. Et ça advient. Et je trouve que c'est vraiment un espace de grand, comment je dirais, apprentissage, de grand apprentissage de qui je suis dans l'instant T, en fait. Parce que il y a des gens qui viennent en stage et qui disent, je voudrais savoir qui je suis. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette grande phrase, en fait? Quel endroit on va figer ce qu'on est? Et pour moi, qui je suis, c'est qui tu es maintenant. Et c'est cette question que nous posent les chevaux. Qui tu es? Que veux-tu? Qui es-tu aujourd'hui, là, tout de suite? C'est sûr. Et c'est magnifique de croiser les deux. J'ai des images qui me reviennent là de stage clown avec les chevaux. C'est juste extraordinaire en fait de croiser les deux et de voir un être humain qui rentre juste avec un nez, à la fois très protégé par ce nez et en même temps en grande vulnérabilité dans un rond de longe avec un cheval. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et parfois, la personne, elle va être dans une grande technicité, de comédien, tout ça, et le cheval, rien. Puis à un moment, on voit la personne qui fait, bon, bah, qui revient à son centre en vulnérabilité en disant, bah, il se passe rien. Un peu. Et là, le cheval, floup, il s'agite, il dit, ah, ça y est, tu es là! Ah Ok, oui. bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et tout commence, hein, c'est magique, quoi. J'aime beaucoup mélanger. Liberté d'être, ça s'apprend pour moi, c'est vraiment des expériences. J'aime beaucoup mélanger la part artistique, la voix, chanter avec les chevaux aussi, des personnes qui considéraient qu'elles n'ont pas la voix pour chanter, comme elles ne chantent pas juste, etc. Mais en fait, les chevaux, ils sont pas sensibles à la justesse comme nous. Ils sont sensibles à la relation entre ce qui se passe à l'intérieur et ce que la voix exprime. Et les personnes sourdes chantent avec les chevaux. Et les chevaux sont touchés par ce chant, Oui. parce que c'est une vibration. Tout ça, c'est lié, en fait. Et toutes ces pratiques nous apprennent à être qui on est et à nous découvrir. Et pour moi, c'est un cheminement et c'est un métier extraordinaire. Je me sens Il y vraiment. a des chevaux qui sont des clowns naturels, hein, d'ailleurs. Il y a des chevaux, on en a ici, tu Il y reconnais? en a, hein. Non, c'est vrai qu'il y a des chevaux qui ont un certain sens de l'humour. C'est Oui, un peu incroyable d'ailleurs quand on voit au début ça, mais ça arrive, hein. Ça arrive, absolument, absolument. On en a un qui est un spécialiste ici, et c'est agréable de pouvoir jouer aussi avec lui, tout à fait. OK. Alors, bah, écoute, Alexandra, merci pour cette présentation à la fois du lieu ressource, du refuge avec les chevaux. Moi, je me souviens de l'importance des cycles et de cette saisonnalité que l'on peut mettre en place dans un lieu ressource, et voilà, avec cette liberté que ça donne aussi. Oui. Parce que voilà, comment apprendre à être libre, c'est vrai que c'est une question qui est centrale quand on est avec les chevaux.
Alors, je vais prendre la liberté de te poser une petite question fétiche. Il y a une question que je pose à tous les intervenants qui est par rapport à la conscience, puisque la structure qui organise ce symposium s'appelle Cheval en conscience. Et donc, avec cette idée hein, que les chevaux nous aident, aident ce processus de conscience. Et donc, avec tout ce qu'on a dit sur le clown, sur la théâtralité, d'après toi, comment est-ce que les chevaux nous aident à élever notre conscience? Comment est-ce qu'ils nous aident à ça? Et si oui, comment est-ce qu'ils nous aident à être plus conscients et à élever notre conscience? C'est ma question fétiche que je pose à tous les intervenants pendant ce sommet en Alors, ligne. écoute, ça fait le lien avec la légende de Taras. Taras est une jument qu'on rencontre ici. Et en fait, quand j'ai rencontré Tara, elle était très jeune et elle avait vécu un traumatisme. Elle avait peur de presque tout et surtout de la relation. Et c'est elle qui a été à l'origine de mon envie de devenir accompagnante avec les chevaux. Et en fait, Tara, elle m'a fait prendre conscience que ce que j'appelais liberté dans ma vie, d'être humain, de femme, en fait, c'était de trouver toujours une porte de sortie pour m'enfuir. Et que je passais ma vie à fuir ce qui me faisait peur. C'est une drôle de liberté, quand même. Et j'appelais ça liberté. Ouais. Donc, ne pas s'engager dans une relation amoureuse, déménager très très souvent. Ne pas signer de contrat en CDI, ne pas avoir d'enfant. Voilà, il y avait toutes sortes de manifestations. Et moi, j'appelais ça la liberté de faire ce que je veux quand j'en ai envie, de rester libre. Et j'ai dit ça pendant très longtemps. J'ai rencontré cette jument et j'ai vu cette stratégie pour rester libre, entre guillemets. Et en fait, en travaillant avec elle sur cette rééducation, moi, je me suis rééduquée. Je suis allée soigner mes blessures. J'ai pris conscience, tu parles de conscience, eh ben, j'ai élevé ma conscience pour aller voir vraiment à l'intérieur de moi ce qui résonnait dans ce qui était l'expérience que je voyais de mes yeux chez cette jument et de voir à quel point ces stratégies étaient dangereuses pour elle et qu'à cause de ça, elle ne pouvait pas être en relation avec les autres. J'ai pris conscience de tous ces endroits dans ma vie où c'était la même chose en fait, j'en avais même pas conscience. Et ça a été un déclic extraordinaire. Je crois que c'est cette jument qui m'a appris vraiment l'appétence du goût pour la liberté d'être en lien. Parce que pour moi, la liberté, c'est d'être en lien avec moi, avec les autres et avec la nature qui m'entoure et qui permet comme ça d'être dans ce mouvement circulaire qui finalement n'est pas un cercle, mais bien une spirale. Et une spirale qui va vers l'infini. Donc, heureusement qu'elle était sur mon chemin. Donc, voilà, oui, bien sûr, l'élévation de cette conscience, cette ouverture, et c'est tous les jours un peu plus, hein, j'apprends. Merci Alexandra pour ce témoignage autour de la liberté, l'apprentissage de la véritable liberté pour le lieu refuge hein, et pour ce qui s'y passe dans les cycles naturels et puis pour cette spirale ascendante, n'est-ce pas, qui nous accompagne et puis qu'on vit certainement avec les chevaux. Voilà, alors. Ce soir, il y a un échange questions-réponses hein, pour les personnes qui voudraient donc te rencontrer en direct, te poser des questions hein, sur ton lieu ressource, sur les propositions que tu fais dans ce lieu, sur la théâtralité, pourquoi pas, la langue des signes française peut-être, sur tous ces différents aspects. De l'interaction avec les chevaux en liberté donc. Et donc ce soir à 19h, il faut s'inscrire donc sur le lien Zoom qui va être en dessous de cette vidéo donc pour se retrouver pour un échange en direct, échange questions-réponses. Encore une fois, Alexandra, merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt, à Ben oui, à bientôt. bientôt. Et puis j'ai hâte pour la suite de nos aventures ensemble ici. J'ai Moi hâte aussi. de suivre ça. À tout bientôt. À bientôt.